Vous savez ce que c'est? Vous parlez d'humanisme, de droits de l'homme. Vous savez ce que c'est? Les mots? Les mots ont un sens, monsieur. Pauvres petits Africains, on est couchés, on est à plat ventre. On nous dit ce qu'on veut. Un petit agent de la RATP vient insulter un docteur. Il n'est pas bled ici. Le bled de quoi? Qui a demandé à tes ancêtres, qui a demandé aux forces françaises, qui a demandé aux bases françaises d'être installées en Afrique, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Qu'est-ce que vous y foutez? Qu'est-ce que vous y faites? Que sont venus chercher les Huguenots de 1685 à 1725 en Afrique du Sud? Pourquoi les Huguenots ont fui les persécutions des catholiques en France? C'était des Arabes? C'était des Koulibaly? Quand les protestants fuyaient la France, parce qu'on est en plein vent, il y a des gens debout qui ont la tête haute dans ce pays. Et c'est la RATP, la SNCF qui a amené les Juifs dans ce pays à Transit, à Juifs, à Auschwitz. Ce ne sont pas des Arabes qui ont transporté les Juifs ici. Il y a plus de mots de la langue arabe dans le français que de mots gaulois. Pourquoi? Parce que c'était une haute civilisation. Si vous ne connaissez pas votre culture et votre histoire, on va vous l'apprendre. Maintenant, quand on apprend l'arabe, on devient terroriste. On apprend l'arabe, on devient islamiste. Et quand on a appris le français, on est devenu quoi? Petit agent de la RATP qui vient m'insulter. Vous n'avez pas honte, au lieu de redresser votre pays, vous imputez la faute aux autres. Au lieu de redresser votre pays, vous imputez la faute à des gens qui se lèvent le matin pour vous nettoyer vos chiottes et vos fesses. Au lieu de redresser votre pays, vous ne pouvez pas honorer les Camerounais qui ont permis à la France d'avoir son indépendance énergétique en allant pomper le pétrole pour 2 francs à Limbé. Qu'est-ce qui se passe? Un petit agent de la RATP m'insulte. Bac plus 9, j'ai passé mon temps à étudier. Un petit type qui fait le monitoring sur la ligne 4 m'insulte. Parce que les Africains vont...